a 60 ans jour pour jour, un homme, le père Joseph Rezinski, décidait de s'installer à quelques mètres d'ici, dans un camp pour sans-abri qu'il avait visité le 14 juillet. Et en visitant ce camp, il s'était rendu compte que les gens qui y vivaient étaient comme sa mère, comme son père, comme ses frères, comme ses sœurs. Il sentait que les gens qui vivaient l'extrême pauvreté, qui étaient rejetés de partout, étaient ignorés et qu'on ne les considérait pas et qu'ils n'arrivaient pas à se réunir. Et donc il a décidé de s'installer ici pour que les gens se fassent entendre, qu'ils se réunissent et ensuite qu'ils appellent les autres à les rejoindre. C'est la création du mouvement ATD Carmont. Le père Joseph, la première fois qu'il est arrivé, c'était donc en juillet. Et je me souviens ça parce qu'il était venu voir mes parents. Et puis avec sa soutane et puis des chaussures qui n'étaient pas semblables. Et sa dodoche, il est arrivé. Et puis ma mère, elle disait, mais le pauvre homme, il n'a même pas deux chaussures pareilles. Et ce qui a changé à ce moment-là, c'est que les choses se sont organisées. On a ouvert le Club du Savoir. Le Club du Savoir avec les jeunes. Donc il y avait le père Joseph, il y avait vous les volontaires. Il y avait moi, des types comme moi, si tu veux, qui avaient une formation. Et c'était vraiment une chaîne l'une à l'autre. Et je crois qu'avec les jeunes, après, tout s'est ouvert vers l'extérieur. Ça donne des frissons. Moi, ce que je préfère, c'est le cœur. Mais c'est ce qu'on se disait, un cœur, c'est un tout seul, ça marche pas. Tout la musique, un orchestre, et ça, j'aurais dû le dire, c'est quand on est tous ensemble que ça marche. C'est l'histoire avec les chansons, on avait l'impression de voyager. Tout à l'heure, j'ai tellement été avec la petite dame qui chantait, qui avait la belle voix. J'étais tellement partie dans l'émotion avec elle que sans pleurer. Je sentais le coffre qu'elle avait, l'émotion se lavait avec elle au même moment. Et quand elle redescendait, ça redescendait en même temps qu'elle. Ce qui nous a beaucoup, beaucoup marqué dans ce que nous avons découvert du Père Joseph, c'est cette idée que chaque être humain est capable de se transformer si on lui ouvre les chemins de la connaissance. Et cette phrase, elle nous a touchés au cœur, parce que c'est exactement ce que nous voulons faire quand nous disons que la musique spirituelle, la grande musique, comme parfois on l'appelle, elle est accessible par tout le monde, que tous les enfants du monde peuvent l'écouter, peuvent l'apprécier, peuvent être heureux en chantant, en écoutant et en recevant la force et l'intensité de cette musique. L'idée, enfin, ce que je trouve important, en tout cas pour moi, c'est de pouvoir créer du lien, même s'il est fugace, même s'il est dans l'instant. Là, ici, aujourd'hui, j'ai fait des rencontres super qui rejoignent vraiment ATD Carmont, c'est-à-dire l'idée que les gens, tous les gens, quels qu'ils soient, c'est ça la dignité humaine, ils ont quelque chose à dire et à apporter. J'avais dans mon angle de vue une petite fille qui... tout comme moi, en fait, elle se laissait habiter par la musique. Elle était comme ça, quand il y avait un coup d'archet, elle était comme ça. Je trouvais ça génial. Il y avait un petit bébé aussi qui restait tranquille pendant une heure. Enfin, voilà, c'est ça qui est amusant aussi, là. Du coup, de voir la spontanéité des enfants, là, qui expriment des choses, qui expriment que la musique passe par eux.